L'économie centrafricaine devrait atteindre les 4,3% en 2018, selon un récent rapport du Fonds monétaire international. Cette annonce fait suite à une mission qui aura permis d'évaluer sur place l'évolution de l'économie et la mise en œuvre du programme économique et financier à travers la facilité élargie du crédit adoptée depuis 2016. La reprise économique se poursuit, la croissance est maintenue à 4,3% en 2018 et devrait s'accélérer à moyen terme. Les projections de croissance reposent sur le rétablissement de la paix, la restauration de services publics sur l'ensemble du pays et la mise en œuvre résolue des réformes. Une croissance vigoureuse et soutenue est nécessaire pour créer des emplois et faire reculer la pauvreté. Selon les données provisoires, les indicateurs quantitatifs de suivi qui ont été convenus avec les autorités fin juin 2018 ont été globalement atteints. Le FMI a donc approuvé un nouveau décaissement qui porte le montant total des décaissements au titre de l'accord après de 123,7 millions de dollars. Les réformes financières commencent à porter leurs fruits, l'assainissement des finances publiques, réduire les dépenses de l'État, la réhabilitation des infrastructures routières et également les moyens de télécommunication, favoriser l'essor du commerce. C'est dans ce cadre-là que les investisseurs interviennent et il faudrait continuer à assurer le plaidoyer pour que d'autres investisseurs puissent venir aider la République centrafricaine, appuyer son économie pour que ces acquis-là puissent demeurer. Le Fonds monétaire international invite les autorités centrafricaines à renforcer le recouvrement des recettes publiques, à accélérer le renforcement de la gouvernance et de la transparence ou encore de poursuivre des réformes structurelles visant à améliorer le climat des affaires.